Alors, j'avais déjà une vidéo sur la PLGA que j'ai supprimée pour en refaire une autre. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. En fait, j'ai changé un tout petit truc au niveau de mes finger tricks. J'ai trouvé en fait que l'avantage de faire une vidéo par PLL, ça permet de refaire une vidéo pour vous montrer moi quand mes finger tricks évoluent. C'est-à-dire que quelqu'un qui va faire une vidéo des 21 PLL à la suite, bah si les quelques mois d'après il va changer une formule, bah les abonnés pourront pas le savoir parce qu'il va pas refaire une vidéo complète alors qu'il n'y a qu'une seule formule qui change. Alors que moi, du coup, vu que j'ai une vidéo par PLL, c'est pratique si jamais je décide de changer de formule ou de changer de finger tricks, je supprime, je refais une petite, ça prend pas énormément de temps. Et je la remets sur ma chaîne, comme ça vous voyez vraiment mes formules actuelles. Vous voyez vraiment les formules que j'utilise moi, les finger tricks que j'utilise en ce moment, et pas quelque chose que j'utilisais il y a 4 ans et qui est complètement à la rue et qui marchait, qui marchait il y a 4 ans sur les anciens cubes, etc. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt sympa et c'est pour ça que j'ai voulu refaire cette vidéo. En fait, au niveau de la démonstration, j'avais carrément perdu la vidéo sur la j'avais perdu en fait la vidéo qui m'avait servi à faire le premier tutoriel sur cette PLLA GA pardon. Donc j'ai refait une démonstration avec en temps réel et en slow motion, en ralenti. J'ai pas réussi à la sub-one, j'ai pas vraiment insisté. Je sais que je peux la sub-one, je sais que j'en suis capable. Mais voilà, c'était pas non plus hyper important de la sub-one. Hein. C'est vraiment juste pour vous montrer que c'est rapide, que vous voyez le slow motion. Voilà, c'est toujours, ça fait toujours plaisir de sub-one une PLL. Celle-là, je sais que je peux la sub-one, mais j'avais pas envie de me reprendre à plusieurs essais pour réussir à la sortir en dessous d'une seconde. Donc voilà, une seconde 0,4, c'est très bien aussi. Alors, donc avant, sur la première vidéo que vous avez pu voir sur ma chaîne, je prenais mon cube comme ça pour commencer. Ce qui fait un énorme regrip quand on arrive à la PLL, et c'est pas beau du tout. En fait, je préfère maintenant, je sais pas pourquoi, ça fait un regrip aussi. Que le prendre comme ça ou comme ça fait un regrip. Mais je sais pas pourquoi, au niveau des AUF, sûrement, je préfère faire comme ça. C'est-à-dire, je préfère faire un regrip comme ça, plutôt que comme ça pour aller chercher derrière. Donc finalement ce que je fais, c'est que je fais un regrip, je suis là et je fais ça, je mets en fait deux doigts ici devant et le pouce derrière là comme ça. Comme ça en fait l'index, bon là je le pose, mais si jamais il n'était pas posé, j'aurais vraiment une pince en fait le pouce, bon je vous ai dit qu'il était là, mais il se balade ici quoi, vous le mettez où vous voulez. Donc comme ça j'ai vraiment une pince entre majeur et pouce. Et comme ça quand je fais R2, et ben, l'index il est prêt à faire U minuscule, comme ça. Et j'ai toujours ma pince entre pouce et annulaire et majeur, pardon. Ensuite je fais R'. Ici je pousse derrière. R', je fais U' avec l'index de la main gauche qui a encore servi à rien. R, U' minuscule, R2, et quand je fais R2, vous voyez, je fais R2, je suis déjà en train de tourner le cube, comme ça. Ça donne un peu un truc du genre comme ça je fais un regrip, et j'enchaîne directement sur l'insertion de la paire de F2L derrière. Donc je vais vous remontrer, ici, donc la pince, voilà le pouce ici. R2, U minuscule, R', on pousse là derrière, U', U pardon, R', U' avec le majeur, l'index là, j'ai vraiment du mal là, U', R, U minuscule, prime, R2, j'essaye de tourner un petit peu le cube en même temps pour faciliter la transition avec la rotation de cube, parce que vous voyez dans le slow motion que la rotation de cube c'est ce qui me prend le plus de temps dans la formule, enfin c'est un peu normal, c'est la particularité de cette formule.
Donc quand je reprends mon cube après la rotation de cube, je suis comme ça, main gauche ici, main droite ici, et j'insère derrière normalement. Voilà, voilà pour cette PLL, donc j'espère que ça vous aura plu. Et j'hésiterai pas à refaire d'autres PLL si jamais mes finger tricks changent. Mais sincèrement, je pense qu'il n'y a pas non plus beaucoup de formules qui vont changer. Puisque j'ai quand même atteint un stade où j'ai des très bons finger tricks, donc je pense pas vraiment changer de beaucoup de formules. Éventuellement un ou deux petits finger tricks par-ci par-là. Et dans ce cas, bah, je vous montrerai en refaisant la vidéo de la PLL en particulier, la PLL concernée. Voilà.